Hey, salut à toi jeune ninja qui vient de commencer sur Naruto Ultimate Ninja Storm Revolution et bienvenue avec Dark Saiyan pour une petite suite de cette vidéo. Non, je rigole, c'est un peu une intro de merde, on s'en fout complètement. Donc on va continuer un petit peu. Alors moi j'ai avancé. Alors on va faire un tournoi mondial des ninjas. On va charger la partie. Alors j'ai fait le premier combat pour savoir si on est capable de pouvoir y jouer et un deuxième combat préliminaire qui pour commencer en fait combat préliminaire. Ne pensez pas à ça, non, c'est pas ça. C'est pour savoir si on peut commencer le tournoi en fait, tout simplement, et choisir son équipe. Donc moi j'ai choisi une équipe, c'est Naruto et Kakashi. Donc je vais voir si on peut changer. Normalement, vous allez passer au combat principal. Sans Voilà. tête. Là, il me reste beaucoup de temps. Voilà, suite des événements. Ah oui, comment précisément vous pouvez disposer de ce temps? Bon, on s'en... on va voir ce qu'on peut acheter. Ah, déjà. Modifier les outils du ninja. Son de chakra, j'en ai. Ah, bah, j'ai ouvert un troisième. Hop, je crois qu'on peut acheter, je crois. Oh, encore un temps de chargement, la con! Allez, 44%, 51! Non, je sais pas, c'est long. C'est pour un jeu qui demande pas autant que ça, vous me donnez. Ah oui, là, c'est pour personnaliser son. Ouais, ça sert à rien. On a fait un temps de chargement pour rien et on a droit à un autre temps de chargement. Donc, on va continuer les préliminaires, hein, tout simplement. Ça va être court, préliminaire. On va commencer le combat principal et en fait, je vais vous dire un truc, c'est qu'à chaque fois qu'il y aura un combat, je vous ferai une nouvelle vidéo. Donc, je vais abréger. Ce sera des vidéos, à mon avis, de 6 ou 7 minutes. Ce sera plus court. Hop, on va quitter. Je sais même plus comment on fait pour avoir les objets. Ah oui, il y a un magasin, je crois. Ouais, c'est ça. On va pas acheter des kunai. Donc, allez, on va commencer avec rien du tout. Combat principal, allez hop, on enchaîne. Ah, je vais sauter les scènes cinématiques. Hein. Je pense que c'est plutôt à vous de les découvrir. C'est pas à moi de vous les faire découvrir. Pour ceux qui aimeraient acheter le jeu, bien sûr. Bah, ceux qui veulent pas le jeu. Ah, bah, si on peut changer l'équipe. On peut prendre deux personnes en plus. Donc, moi je vais prendre Kakashi et des potes pas mal, mais vu que j'ai pas les autres, je pense que ça fera. Je les ai pas débloqués encore. Modification terminée. Donc il doit y avoir des, à mon avis, en 3 manches. On est parti en 3 manches, normalement c'est en 2. Donc on commence le premier combat, soit avec Naruto, soit avec Kakashi. Là c'est la même chose, mais c'est pas mal. Je vais passer. Tac. Quand j'ai vu l'intro au début, je me suis dit, ben merde, c'est pas un tournoi comme tous les autres. Il y a tout le monde, il y a même tous les Hokage. Présent. Il y a même Madara, il y a même certaines surprises pour ceux qui n'ont pas lu Naruto récemment. Donc voilà. Donc ça va être un combat en 3 manches à mon avis. Première manche, moi je vais prendre ça quoi en première manche. Deuxième manche, je vais prendre Naruto et je vais finir avec Kakashi. Donc c'est en 3 manches. Donc il y aura 3 manches. Et je vous montre tout ça, un pilos. On va essayer de faire mieux. Alors, je me suis un peu entraîné quand même depuis la dernière vidéo qui était assez pitoyable. Même si j'ai gagné le dernier match par chance. Mais non, celle-là, elle sera un peu différente. Vous allez voir. Alors, je vais vous expliquer un truc dès le début. Il faut pas chercher à attaquer tout le monde en même temps. Visez-en un et récupérez un maximum de boules de cristal de Dragon Ball. Non, je vois, ça ressemble. Ça rétablisse les points. Donc moi je vais enchaîner ça. Gros sourcil, on va l'appeler comme ça. Ah bah, j'ai changé de personnage, je sais pas ce que je voulais. On va t'enchaîner toi. なるほど。ここで一気に決めてしまおうという魂胆のようです。ちょっとパパがやられた。
passe le temps de croire des coups, ça va. Hop, on va récupérer un maximum de boules. Je serais pas ta copine quand même, bordel. Oui, il a stoppé lui. Ah là, je comprends pas, il y a un virage, il y a un petit bug. Il veut plus m'attaquer. Tant mieux, je dirais. Donc j'ai gagné la première manche. Assez haut la main. Donc on va faire un deuxième combat. Hop, on va se terrifier. C'est parti. Allez. Il y a l'autre qui me fait chier. Allez, on récupère un maximum de gougou. Et là-bas, il y a le bout de chakra. Mais il y a un truc que je ne sais pas pourquoi, il n'attaque pas. C'est peut-être les premiers combats. Je suis en train de me faire enchaîner comme un con. Allez, hop, hop, hop. On enchaîne tout ça, on va se le faire lui. Hop. Hop, hop. On va se le faire, on va se le finir. Tant que Kara ne casse pas les couilles. Vas-y, frappe-le, moi ça me fait des points en plus. Hop là. Je mange un petit peu, mais c'est pas grave, c'est normal. Moi je vais cacher mon toit. Il est en train de faire ses points à la con. Ah, ils sont mis à deux. Ah, c'est un peu plus drôle là. Ouais, comme ça c'est fini. Gara, à ton tour. Donc c'était mon pote. Hop, il reste plus 7 secondes. Et là je comprends pas pourquoi il bloque là. Regardez, il y a un petit bug là. Ouais, je sais pas, c'est bizarre, on va voir la troisième manche. Ah, j'ai pas cheaté à rien, j'ai pas modifié les personnages hein. Ah non, je pensais un bon petit match. Ah ouais, c'est les teams contre les teams. Pays du sable. Les feuilles mortes. Donc c'est parti, bon j'ai une certaine avance quand même. Avec les cachis, allez mon papote, allez, on va toujours se battre ensemble. On va un peu de chakra. Encore ? Ah ouais, je fais que des conneries. Oh. Je peux pas arrêter. Mais. Je le cache. Enchaîner, vite fait, hop, 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 je vais récupérer les deux joueurs. Hop, belle technique. Moi je me gratte un peu. Oh, l'autre a une distance de main. Et hop, allez, dernière seconde. Et voilà, j'ai gagné la première manche du tournoi. Donc comme je vous ai dit, je vais vous faire une manche à chaque fois. Et voilà.
Bon, je me suis quand même un peu amélioré, même si je trouvais qu'il y avait quelques petits bugs. C'est bizarre qu'il bougeait pas trop. Ça doit être les premiers niveaux où il bouge pas. Ça va pas qu'on se massacrer. Donc voilà. Hop, victorieux. C'est cool. Qu'est-ce qu'on débloque? Personnel, incarné. C'est sûr, petit bug. Quatrième, Kazekage, incarné. Donc le père de... Non, Kazekage, ça doit être le père de Gaara. Donc on débloque certains éléments. Ah, c'est parti. Et maintenant terminé. Ah, il doit y avoir d'autres arènes. C'est pour ça. Donc j'ai pas pu jouer. J'ai joué plus en mode libre. Et en ligne. Donc le mode en ligne, je vais pas vous le faire. C'est complètement inutile. C'est juste du combat à 3 contre 1 ou 1 contre 1. Il n'y a rien de spécial. Si vous voulez jouer en ligne, c'est comme vous voulez, mais vous débloquez rien, il n'y a aucun amusement. Donc ça sert à que dalle là. Voilà. Naruto jeune, Sakura jeune. Ok. Des objets ont été rajoutés à la boutique. Donc si vous voulez faire un tour dans la boutique, je peux vous y emmener. Hein. On va faire un petit tour dans la boutique vite fait et puis je vous dis à la plus. Et la prochaine fois, il n'y aura pas de petit tour dans la boutique. Donc toujours ces temps de chargement hyper longs. Non, d'ailleurs, si, bon allez, je vous emmène vite fait dans la boutique, mais il y a le temps de chargement à chaque fois. Et ça me gave. Donc c'est pas parti. Non, non. Non, non, toujours pas. Ah bah voilà, il y a un nouveau tournoi. Le Mecha Naruto a été ajouté. Ok. Bon, allez, on va voir. Je sais plus si il y a plus de tournoi. Là, on est obligé d'aller. On est obligé d'aller carrément dans le mode tournoi. Montrer. Voilà. La nouvelle partie du coup. Donc, comme ça, vous verrez que ce sera bien la suite. Mais je ne ferai pas de vidéo supplémentaire. Bon, allez, 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 avance, avance, avance. Bon, le temps de chargement, après on fait quoi? Hein? Parce que là ça commence à faire long hein, comme temps de chargement. Je sais, j'arrête pas de me plaindre des temps de chargement, mais c'est méga long quoi. Je l'ai pas essayé de le mettre sur les 16-10 en me disant que bah, ça va marcher tout seul. Donc c'est là qu'on doit s'inscrire. Donc là on est à Konoha. Bah non, ça, même si j'ai un bon disque dur qui dépop, le temps de chargement reste quand même assez long. Donc pour ceux qui ont des vieux engins, bah, c'est pas la peine. Ça va mettre deux plombes. Ah, ceux qui connaissent un peu. Donc on va voir la boutique vite fait. Les objets, modifier les outils ninja. Ah, non, je crois que c'est 10 objets, je crois. Non, je sais pas. Je sais plus. Ça doit être une boutique, c'est sur la map. Je sais plus comment on fait la map. Voilà, voilà. La boutique de loterie, qu'elle est juste là. On va foncer, je vais pas parler, je vais faire ça un autre jour. Allez, on fonce, on fonce. Hop, par là. Hop, on saute très bien. C'est... Oh, je me suis planté. Je ferai l'émission un autre jour, parce que t'as une émission supplémentaire. Hop. Hop là. Elle est là, type d'objet. Hop, bienvenue dans la boutique de loterie. Essayez à la loterie. Non. Non, mais j'ai pas envie. Je sais même pas, je cherche au fur et à mesure. Je suis avec vous. Donc le menu, boutique générale de Bandai. C'est peut-être ça. Ah non, c'est pour acheter la bouffe, ça, pour se régénérer. Hop. Konnichiwa. Konnichiwa.
Hop, acheter l'image de carte ninja, des skins de ninja, des titres, objets de permutation, je sais pas ce que c'est. Ah, donc on peut changer un mot, changer le mot, ça c'est pas mal. Technique secrète, Naruto, Shenpo, Mega des chaînes. Ah, y a pas mal de techniques. Total Ryu 0. Bon bah allez, je vous ai montré tout ça. Arigato. Sur ceci, bah, je vous dis à la prochaine et arigato. Salut.